ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد donc cette intervention alhamdulillah se fait par téléphone dans la ville de Moissac à 30 km de Montauban. Donc les frères se sont réunis à la mosquée pour cette intervention. L'importance de l'attachement à la sunna et sa place en religion. Allah a dit dans le sens des versets sur al-Nisa, verset 59 Ô oh vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent le pouvoir parmi vous, ou bien le commandement parmi vous. Et si vous divergez sur une affaire, alors retournez là à Allah et à son messager, si vraiment vous croyez en Allah et au jour dernier, dans le sens des versets. On entend souvent le mot Sunnah. Beaucoup de gens peut-être ne comprennent pas le sens de ce qui est voulu par la sunna. Le mot sunna veut dire le chemin ou la tradition. Mais il peut prendre plusieurs sens dans son terme religieux. Quand il est utilisé dans les règles de teklif, c'est-à-dire dans le wajib, el-mandoub, el moubah, el makrouh, el-haram, le mot sunna est utilisé parfois dans le sens de mandoub, ce qui est recommandé. On dit par exemple cette chose est sunna, recommandée. Du fait que cette utilisation a été faite dans ce domaine-là, beaucoup de gens l'ont élargi et l'ont généralisé à chaque fois qu'ils entendent le mot sunnah. Et le mot sunnah, en réalité, c'est tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qu'il a fait, ou bien même ce qu'il a agréé, ou bien à laquelle il a donné son approbation. Dans ce sens-là, il n'est pas dans le même sens recommandé. Mais ici, c'est plutôt tout ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, dans ce sens-là, il devient une obligation et une nécessité d'obéir et de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset-là, qu'on vient de réciter auparavant dans sourate al-Nisa. Quand on regarde le verset, Allah Ta'ala a répété « obéissez pour Allah et pour le messager sallallahu alayhi wa sallam ». Et il n'a pas dit cela pour « et ceux qui détiennent le commandement parmi vous ». Il n'a pas dit « wa ulil amri mais il a dit « wa ulil amri minkum. Car en réalité, Oulul Amri, les gens qui détiennent le commandement, comme cela a été dit par Mujahid et par la plupart des Mufassirines, ce sont deux catégories. Les savants et les dirigeants, les commandants. L'obéissance des savants est une obligation dans la religion. L'obéissance de ceux qui détiennent le pouvoir est une obligation dans la religion. Mais cette obligation, elle n'est pas absolue. Elle est conditionnée, réglementée. Par quoi? Leur obéissance, elle est sous l'obéissance d'Allah et de son Messager. Alors que dans le verset Allah a dit: Obéissez à Allah et obéissez au Messager. Car l'obéissance du Messager, alaihi wasallam, est une obéissance absolue sans condition. Le Prophète alaihi wasallam, il a une spécificité parmi les hommes que aucun autre homme après lui n'a. C'est son obéissance absolue. Tout homme qui parle, nous n'accepterons pas sa parole sans une preuve, sauf le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, car sa parole est une preuve en soi, une révélation comme nous allons le voir. Dans surat al-ma'idah, verset 92, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et prenez garde. De même, dans surat al-nisa, verset 80, celui qui a obéi aux messagers, il n'a fait qu'obéir à Allah, dans le sens des versets. Dans la même surah, verset 65, Allah Ta'ala dit « Ce que le messager vous a donné, prenez-le. Et ce qu'il vous a interdit, délaissez-le. » On va en citer encore quelques-uns et on ne peut pas tous les citer. Ce verset que l'on va citer, les ulamas l'ont appelé le verset de l'épreuve du test. C'est une épreuve pour voir si nous aimons vraiment Allah ou non. Car Allah Ta'ala dit au prophète Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam « Dis, oh Muhammad, si vous aimez vraiment Allah, Suivez-moi donc. Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. De même, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une révélation au même titre que le Coran comme nous allons le voir dans différents textes que nous allons citer à la suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a enjoint à s'accrocher à sa Sunna, dans le hadith rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta qui est un hadith acceptable, le messager d'Allah (salallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai laissé derrière moi pour vous deux choses. Vous ne serez jamais égarés tant que vous vous y accrochez. Le livre d'Allah et ma sunna. De même que dans le hadith de Al-Miqdam ibn Mahdi Karib, le messager d'Allah (salallahu alayhi wa sallam a dit « N'est-ce pas qu'il m'a été donné le livre, c'est-à-dire le Coran, et son semblable avec lui ?» Ce hadith il est rapporté par l'imam Abu Daoud et il a été rendu authentique par Ibn al-Qayyim al-Albani wa rahimahullahu jami'a. Cette chose dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parle dans ce hadith, le livre, et son semblable avec lui. Quel est ce semblable dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parle C'est la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam car la sunna a été révélée. Par Allah, au même titre que le Coran, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala dit, il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais ce n'est qu'une révélation qui lui a été descendue et révélée. De même, Allah Ta'ala dit, et il a révélé sur toi le livre et la sagesse, et il t'a enseigné ce que tu ne connaissais pas. Et certes, la grâce d'Allah est sur toi très grande dans le sens des versets. Donc ici, quand Allah Ta'ala dit, il a révélé sur toi le livre et la sagesse, le livre... C'est le Coran. Et la sagesse c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. comme Allah Ta'ala a dit aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et rappelez-vous ce qui était récité dans vos maisons, des versets, des signes et de la sagesse, qui est la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous connaissons tous le hadith de Al-Irbad ibn Sariyah, rapporté par Abu Daoud, qui a été rendu authentique par Ibn Taymiyyah. الشوكاني الألباني رحمهم الله جميعا المساجد الله صلى الله عليه وسلم قال celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes califes orthodoxes et bien guidés attachez-vous avec vos molaires de même Hassan ibn Atiya a dit Jibril alayhi salat wa salam descendait pour révéler au prophète sallallahu alayhi wa sallam la sunna Comme il descendait pour lui révéler le Coran. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a bien averti cela. Et avant ça, le Coran a bien éclairci cela. Et le Coran et la Sunna ne sont pas suffis d'ordonner de s'attacher à la Sunna et d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils ont mis en garde celui qui se risquerait de désobéir ou de contrevenir. Au chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah tabaraka wa ta'ala dit que prennent bien garde ceux qui contreviennent à son ordre, qu'ils ne soient touchés par une tentation ou par un châtiment douloureux. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit lui-même, l'avilissement et la petitesse a été écrit à celui qui contrevient à mon ordre. Dans un autre hadith sahih rapporté par l'imam al-Shafi'i et tirmidhi ibn Majah et Abu Dawood, authentifié par l'imam ibn Hazm et al-Albani Rahimahumallah. le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde celui qui voudrait mettre en contradiction le Coran et la Sunna et faire croire que suivre la Sunna c'est délaisser le Coran. Et il a dit « Attention !» Que je ne trouve pas l'un de vous allongé ou accoudé sur son divan quand un de mes ordres lui parvienne ou une de mes interdictions lui parvienne, il dit je ne sais pas. Cela on ne l'a pas trouvé dans le livre d'Allah. Ce que l'on trouve dans le livre d'Allah, on le suit. Comme aujourd'hui des ignorants qui croient que suivre le Coran c'est le fait de délaisser la Sunna ou qui remettent des doutes sur la Sunna du Prophète sallallahu wa sallam, ou d'autres qui sont allés encore plus loin. Comme une secte égarée née en Inde qui s'appelle le Qur'aniyoun. Mais ce sont pas des Qur'aniyoun, ce sont un Shaytaniyun, Car ils n'ont pas suivi le Qur'an. Celui qui suit le Qur'an, il suit la sunna. Et celui qui suit la sunna, il suit le Qur'an. Et celui qui délaisse un des deux, il suit le shaitan. La sunna du prophète alayhi wa sallam, ceux qui l'ont mieux comprise et ceux qui l'ont mise le mieux en pratique, ce sont ceux qui ont vécu avec lui. Ceux qui ont cru en lui, qui étaient présents avec lui, qui l'ont vu défendu, aimé et devancé devant leur personnes, leurs femmes, leurs enfants, leur propre vie, ce sont les Sahaba, les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aussi bien que le Coran, ne peuvent être compris clairement et pratiqués comme il se doit que selon la compréhension de ceux qui étaient présents. Et ceux qui ont vécu la révélation, compris le Coran, sur qui le Coran a été révélé, sur leur situation, ceux pour qui les situations dans les situations dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné ou interdit ou a agréé ou réprouvé. Aujourd'hui, ce qui manque à la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est cet attachement à la sunna, cet amour de la sunna. Quand les gens nous appellent pour poser des questions, ils ne posent pas des questions pour mieux appliquer. Il pose des questions pour mieux s'échapper, pour chercher les limites du haram et du halal. C'est permis ou c'est pas permis? Il ne demande pas quelle est la sunna, quelle est la manière de faire en islam pour qu'Allah soit satisfait de moi de faire telle ou telle chose. Les sahaba quand ils venaient poser les questions, quelles questions posait-il au prophète sallallahu alaihi wa quelle est l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah? Quelle est l'œuvre que je puisse faire pour être proche de toi au paradis? Voilà les questions qu'il posait. Ce ne sont pas les questions comme nous aujourd'hui qui allons chercher les failles pour jouer avec la religion, tout ça pour suivre nos passions. Quand on voit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour qu'il portait pour le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Saïd ibn al-Khudri, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam présidait la prière, avec ses sandales. Ce qui était d'habitude du Prophète alayhi wa sallam, et des Sahaba, qui est une sunnah qui est aujourd'hui délaissée, le fait de prier avec ses sandales et ses chaussures. Car le Prophète alayhi wa sallam, a dit Priez avec vos sandales, car les juifs ne prient pas avec leurs sandales. Bien sûr, on ne rentre pas avec les sandales sur la moquette. Mais si on est dans un endroit où il n'y a pas besoin d'enlever les chaussures et que les chaussures ne sont pas impures, il n'y a pas une impureté dessus, la sunnah c'est de prier avec. Donc le Prophète alayhi wa sallam, présidait la prière. Des compagnons avec ses sandales. En pleine salade, Jibril alayhi salam, est venu lui informer qu'il y avait une impureté sur ses sandales. Qu'a-t-il fait Il les a enlevées en pleine salat. Les sahaba, quand ils ont vu le prophète alayhi salam, enlever ses sandales, ils ont tous enlevé leurs sandales. Puis après la salat, ils sont venus lui demander Ô oh messager d'Allah, nous t'avons vu enlever les sandales. Ils n'ont pas d'abord demandé le pourquoi, puis après ils ont appliqué. Non ils ont d'abord appliqué, obéi. Ils se sont d'abord soumis. Ils ont d'abord suivi. Et après, ils ont demandé le pourquoi. Voilà toute la différence entre nous et eux. Dès qu'ils voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire une chose ou la délaisser, ils ne cherchaient pas à comprendre si c'était obligatoire ou recommandé. Ils le faisaient. Mais nous, on trie dans la religion. Et on regarde ce qu'on peut faire de minimum. On ne cherche pas le maximum. On ne cherche pas à s'accrocher. On cherche à trier et à en faire le minimum. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est venue par rapport au Coran agir de trois manières. La première manière, c'est que ce qui est venu dans la sunna est venu confirmer, appuyer les ordres et les interdictions qui sont déjà dans le Coran. Comme l'obligation de la salat, de la zakat, comme l'interdiction des enivrants, de la fornication et de l'usure. Par exemple. La deuxième manière, c'est qu'elle vient en général, dans le même sens que le Coran, mais avec plus de détails. Ou bien elle vient expliquer ce qui est indistinct dans le Coran, ou bien détailler ce qui est venu d'une manière globale dans le Coran, ou bien réglementer ce qui a été cité d'une manière absolue dans le Coran, ou bien spécifier ce qui a été cité d'une manière générale dans le Coran. Donc, ceci est nécessaire. Si aujourd'hui il n'y avait pas cette manière, comment les musulmans sauraient comment faire Salat Est-ce que les détails de la Salat sont expliqués dans le Coran Les détails du Hajj sont expliqués dans le Coran Non. Dans le Coran, il y a dit Aqimu salat", accomplissez la Salat. Les horaires, les manières, le nombre de recettes, la manière de réciter, tout ceci, on l'a appris de la sunna du Prophète. Alayhi wa sallam. Pareil, le Hajj. Et pareil, beaucoup d'autres ordres que cela. Donc la Sunna a la même place que le Coran dans le sens que c'est une révélation. Et elle a la même place que le Coran dans le sens que c'est une base par laquelle on légifère les lois en islam. Et dans le sens qu'on est obligé d'agir avec, avec la Sunna sahiha, avec la Sunna authentique. Tout ce qui a été authentifié de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa nous sommes dans l'obligation d'agir avec. Que ce soit dans la croyance ou dans les actes ou dans quoi que ce soit. Mais au niveau d'importance, on dira qu'elle vient après le Coran, car elle vient expliquer le Coran. Et Allah ta'ala a dit dans le verset 44, et nous avons descendu sur toi le rappel, pour que tu exposes et que tu expliques aux gens ce qui leur a été révélé, et peut-être réfléchiront-ils dans le sens des versets. La troisième manière par laquelle la sunna est venue interagir avec le Coran, c'est que la sunna vient parfois avec des ordres, une législation à part entière, qui n'est pas citée dans le Coran mais qui suit les règles et les objectifs du Coran, qui restent dans la même voie. En exemple de cela, il y a l'interdiction de manger les ânes domestiques. Ça c'est venu dans la Sunna. Tous ceux qui ont des canines, parmi les bêtes féroces qui chassent avec leurs canines, et tous les oiseaux carnassiers qui chassent avec leurs griffes. De même que l'interdiction de se marier avec une femme et sa tante en même temps maternel ou paternel, ça c'est venu dans la sunna, ce n'est pas cité dans le Coran, mais nous sommes dans l'obligation de le suivre comme le Coran nous l'a ordonné. Pour finir, nous allons citer quelques paroles des imams de l'islam qui viennent appuyer ce sens-là et qui viennent l'expliquer. L'imam Shafi'i a dit dans un Risala page 88-89, dans le sens de ces paroles, ce que le messager d'Allah a légiféré qui ne se trouve pas dans le Coran, dans lequel il n'y a pas une règle d'Allah, alors il l'a légiféré avec la loi d'Allah. Et c'est de ça que Allah nous a informé dans sa parole, dans Surat Shura, verset 52-53. Et certes, tu guides vers une voie rectiligne, la voie d'Allah. Dans le sens des versets. Et le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a légiféré avec le livre d'Allah. De même qu'il a légiféré de ceux qui ne se trouvent pas spécifiquement, textuellement dans le livre d'Allah. Et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a instauré, alors Allah nous a rendu obligatoire de le suivre. Et il a fait que dans son suivi, il y a l'obéissance à Allah. Et dans le délaissement de son suivi, il y a la désobéissance d'Allah pour laquelle Allah n'a donné d'excuse à personne. Ça c'est la parole de l'imam al-Shafi'i. L'imam ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans I'lam al deuxième volume, page 289, il a dit « Ce qu'il y a de la sunna, qui est, est venu en rajout de ce qui se trouve dans le coran alors c'est une législation qui commence par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour laquelle nous lui devons tous obéissance, et il a permis à personne de lui désobéir. Et ceci ne veut pas dire que nous la devançons au livre d'Allah, mais c'est en obéissance et en application à ce qu'Allah nous a ordonné d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ne devait pas être obéi dans cette partie de la révélation, alors il n'aurait aucun sens dans ce qu'Allah nous a rendu obligatoire de lui obéir et son obéissance spécifique serait négligé, délaissé et tombé. Et il ne serait pas obligatoire de le suivre et de lui obéir que ce dans quoi il aurait dit des paroles en concordance avec le Coran, non pas avec ce que l'on ne trouve pas dans le Coran. Et il n'y aurait aucun sens dans ce cas-là qu'il ait une obéissance spécifique, comme Allah a dit dans le Coran, dans Surat An-Nisa, verset 80 "Celui qui a obéi au Messager, il n'a fait en fait qu'obéir à Allah", dans le sens des versets. Nous allons finir avec la parole d'Imam Ibn Hazm, où il a dit dans l'Ihkam, volume 1, page 95 "Quand Allah Ta'ala ta a dit Certes, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui nous chargeons de le garder." Et dans sa parole, dit, je ne fais que vous avertir de la révélation, dans le sens des versets. Donc, il dit, l'imam ibn Hazm, Allah a informé que la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout entière, est une révélation. Et que la révélation, sans aucune divergence, elle fait partie du rappel. Et le rappel, Allah s'est chargé de le protéger, comme il l'a dit dans le Coran. » Donc, tout ce qui est authentique de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est préservé par Allah subhanahu wa ta'ala et protégé. Rien de ce qui en est authentique ne sera perdu, car ce que Allah protège est avec certitude préservé d'être délaissé, oublié, et il est avec certitude venu jusqu'à nous et cela c'est une preuve d'Allah tabaraka wa ta'ala contre ces hommes contre ces créatures éternellement donc nous voyons barakallahu fikum, dans tout ce que l'on vient de citer l'importance de la sunna de s'y tenir et d'y obéir et la gravité de la délaisser comme Allah a voulu que le Coran soit préservé par ceux qui l'apprennent par cœur Allah a préservé la sunna par les savants du hadith, ceux qui ont étudié les chaînes de transmission et les moutounes, pour pouvoir en garder ce qui en est authentique, car c'est une base sur laquelle nous légiférons notre croyance et nos pratiques, et c'est pour cela qu'il convient à chaque musulman et chaque musulmane de s'attacher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'apprendre, d'apprendre le livre d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la comprendre selon la compréhension des pieux prédécesseurs, et de la mettre en pratique, puis de là transmettre et c'est cela le chemin de la réussite pour être préservé de tout mal dans ce monde et dans l'au-delà wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala mohammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wal hamdulillahi rabbil alamin wa qur rabbi zidni